Salut tout le monde, deuxième jour de vlog à l'île Maurice. On va en profiter aujourd'hui pour faire un petit cours sur les tests de personnalité pour golfeurs et notamment voir ce qui peut changer dans votre profil, votre manière de jouer peut-être par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Et demain, on attaque finalement avec l'île aux cerfs. Bon, je vais essayer de me trouver un coin tranquille pour pouvoir faire le petit cours d'aujourd'hui. Vous allez voir, c'est super intéressant et il y a pas mal de choses dont je pense que vous n'avez jamais entendu parler. Allez, on y revient tout de suite. Bon, je vous fais juste avant de commencer, je vous fais un petit panorama de la salle de classe d'aujourd'hui. Voilà. Je me mets devant, normalement ça devrait aller. Et vous devriez bien m'entendre. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est du MBTI. Pareil, si vous me suivez, vous avez peut-être déjà entendu ces lettres. Le MBTI, c'est un test qui s'appelle le Myers-Briggs Test. Et c'est un test de personnalité à la base. Si vous travaillez dans les ressources humaines, même si vous êtes manager, vous avez peut-être été formé à cet outil ou on vous l'a peut-être fait passer pour un entretien d'embauche. En fait, c'est un test qui cherche à savoir quelles sont vos forces et vos faiblesses dans votre personnalité innée et la manière dont vous devez fonctionner dans un environnement de travail. Le truc, c'est que on n'est pas du tout là pour parler boulot, enfin, je pense que ça se voit, mais l'idée, c'est qu'on va voir comment on peut appliquer ça dans votre golf et c'est vraiment super intéressant et il y a pas mal de toutes petites modifications que vous pouvez faire. Et en fait, l'idée, c'est de balayer des fausses croyances où on vous dit il faut faire ça pour être bon au golf, mais la vérité, c'est que peut-être, mais pas pour vous, peut-être, mais pas pour votre personnalité. Allez, on passe tout de suite sur ma feuille de papier, ce sera plus facile pour vous expliquer. Je vais vous donner les quelques lettres et je vous ferai une petite fiche de révision que vous pouvez retrouver dans le lien en description. En vous abonnant à la newsletter, je vous envoie un lien de téléchargement vers toutes les ressources que je mentionne sur Tribu Golf. Donc si vous voulez la petite feuille au format PDF pour pouvoir l'enregistrer, le lien est en description. Allez, on passe tout de suite sur ma feuille. Ok, alors on attaque tout de suite avec le MBTI. Déjà, le MBTI, c'est un test qui se situe en 4 lettres. C'est pour ça qu'on a 16 personnalités au total. Dans le cadre en gauche, c'est un test de personnalité pour savoir si vous êtes introverti ou extraverti. Qu'est-ce que ça veut dire au golf, introverti ou extraverti? Je pense que vous l'avez probablement vu sur le parcours, il y a des gens qui parlent beaucoup plus que d'autres. Et il y en a à qui ça vient beaucoup plus naturellement que d'autres. En fait, les I, les introvertis, ils vont être souvent ce qu'on appelle concentration longue. Je vous ferai les notes, hein, comme promis en PDF. Les extravertis, ils vont plutôt avoir tendance à être concentration courte. C'est deux choses différentes. Alors, le premier, introverti ou extraverti, c'est pas vraiment la manière dont vous êtes dans la vie. C'est plutôt à quel point, pour vous ressourcer et pour prendre de l'énergie, vous avez besoin d'être seul ou certaines personnes se ressourcent et sont énergisées après avoir parlé à des gens ou après avoir fait une soirée entre amis par exemple. Donc si par exemple vous vous sentez revigoré ou excité après un dîner entre amis ou je sais pas une soirée, eh bien vous êtes très probablement E. Et si vous êtes du genre à vous isoler pour garder votre calme et prendre de l'énergie, eh bien vous êtes probablement I. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre golf? Si vous êtes I, il ne faut absolument pas que vous parliez. Il faut que vous soyez cette personne qui marche devant en compétition. Alors bien évidemment, le but, c'est ce que je vous dis, c'est pour une performance optimale. Ce n'est pas pour vous flinguer votre plaisir au golf. Donc si votre plaisir, c'est discuter avec les gens, sachez que si vous êtes introverti, ça vous flingue probablement vos performances, mais vous n'êtes pas non plus tout le temps en mode performance. En tout cas, je l'espère que parfois, vous jouez aussi juste pour le fun. Mais voilà, sachez-le. Si vous êtes extraverti, pour le coup, il faut que vous parliez, il faut que vous fassiez un maximum de choses qui n'ont rien à voir avec le golf entre chaque coup. Vous pouvez déconner, vous pouvez penser à autre chose, vous pouvez même sortir votre téléphone si ça vous chante. Vous, ça ne vous déconcentrera pas. Donc, si vous pensiez jusqu'à aujourd'hui que pour être bon au golf, il faut être dans sa bulle pendant 4 heures, c'est déjà complètement faux. Surtout si vous êtes extraverti. C'est un peu moins faux si vous êtes introverti. Mais si vous êtes introverti, vous allez probablement avoir quand même besoin de sortir de votre bulle, mais moins régulièrement que pour des extravertis. Donc, par exemple, pour un introverti, ça peut être des bulles qui durent un trou. Et pour un extraverti, c'est des bulles qui durent un coup. Voilà, entre chaque coup, on sort de sa concentration. Donc ça, c'était la première lettre. La deuxième lettre qui nous intéresse, ça va être S ou N. Donc, S, c'est pour le mot anglais sensitif, c'est sensitive, et N, je ne sais plus. Et M, je sais plus, mais enfin, je vous l'affiche à l'écran. En tout cas, moi, je travaille avec les lettres, mais j'utilise pas forcément le... puis d'ailleurs, elles ne sont pas forcément parlantes, donc c'est pour ça que je retiens surtout les lettres et leurs définitions.
Les S, ce sont des personnes qui sont plutôt du genre minutieux. C'est toutes les personnes, par exemple, tous les chirurgiens sont S. Voilà. Ça peut être aussi, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que ces profils, ils peuvent être acquis. Vous n'êtes peut-être pas né d'une certaine manière, mais aujourd'hui, vous fonctionnez d'une certaine manière. Et ça n'a absolument rien de mal de modifier ou d'évoluer. C'est même plutôt positif et ça veut dire que vous avez une vie très riche. N, en revanche, c'est un esprit synthétique, global. N'essayez même pas de me relire, je vous mettrai le PDF. Mais ça m'aide. Quand vous êtes S, l'important, c'est qu'il y a une très forte corrélation entre votre profil psychologique et votre profil biomécanique. C'est quoi les profils biomécaniques ? Vous avez peut-être déjà entendu parler de terrien et aérien. Ou parfois, on parle de personnes qui dominent la balle et de personnes qui sont ancrées dans le sol. Et bien en fait, sachez que c'est deux types de choses différentes. C'est à la fois bien de dominer la balle et d'être ancré dans le sol, il faut un peu des deux, mais selon votre type, vous ne devez pas penser de la même manière. Généralement, un S va penser le swing par le bas du corps et le N par le haut du corps. C'est-à-dire que si, pour faire un draw par exemple, vous pensez à bien enrouler avec votre haut du corps, vous avez peut-être un profil de jeu qui est N. En revanche, si vous pensez à bien envoyer les hanches, vous avez peut-être un profil qui est S. En tout cas, ce sont des indicateurs. Ce que ça veut dire, en revanche, en termes d'aplomb golfique, c'est que vous allez voir que les terriens, ce sont des gens qui ont un aplomb des épaules. Alors, je suis un très, 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 très piètre dessinateur. Je pense que vous allez vous en rendre compte assez vite. Mais ce sont des gens qui ont un aplomb des épaules au niveau des pieds et de leurs genoux. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des profils très ancrés. Vous allez voir certains joueurs au practice, vous avez vraiment l'impression qu'ils sont ancrés dans le sol. Limite qu'ils ont peut-être un peu plus de mal à tourner. C'est lié à deux autres profils qui ne sont pas dans le MBTI, mais dont je vais vous parler maintenant. C'est le fait d'être associé ou dissocié. Vous pouvez être très dissocié du haut et du bas du corps. Si vous regardez mes vlogs, je suis très dissocié. C'est souvent associé au fait d'être souple, mais pas nécessairement. Vous pouvez être souple et associé, mais très souvent, quand vous avez l'impression de voir un swing élastique, ce sont des gens dissociés. En revanche, quand vous avez l'impression de voir un swing d'un bloc, ce sont des gens associés. On pourrait faire des exemples avec des pros. Je suppose que si vous cherchez sur YouTube, vous en trouverez. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on n'ira pas jusque-là. En revanche, si vous êtes N, vous allez avoir tendance à avoir un aplomb très, très avant par rapport à vos pieds. C'est-à-dire que vous allez là où en terrien, vous êtes vraiment au-dessus de vos pieds, limite avec des mollets très droits, voilà, par rapport au sol. En revanche, en aérien, vous allez être beaucoup plus penché vers l'avant et aussi chercher à vous grandir. Donc voilà, ce sont les deux profils intéressants, terrien, aérien, entre S et N. Donc, comment savoir si vous êtes plus S ou N ? Vous pouvez faire le MBTI, donc MBTI test sur, en ligne, vous aurez plein de questions. Mais du coup, posez-vous la question pour savoir si vous êtes terrien ou si vous êtes aérien. Si vous vous mettez à marcher, le terrien, quand il se met à marcher, il reste droit. C'est-à-dire que quand il marche droit. En revanche, l'aérien, quand il marche par le haut du corps. C'est-à-dire qu'il va démarrer son mouvement par le haut du corps et le terrien va démarrer son mouvement par le bas du corps. Il y a deux tests qu'on peut faire en personne. Par exemple, si quelqu'un essaie de vous pousser, vous le faites à deux, hein, quelqu'un essaie de vous pousser, si vous lui bloquez les épaules et qu'il n'a plus de force, c'est très probablement qu'il est aérien, pardon, parce que sa force vient du haut du corps. En revanche, si vous lui bloquez les hanches et qu'il se sent complètement bloqué, c'est très probablement qu'il est terrien et que sa force vient du bas du corps. Allez, on passe à la lettre suivante. T ou F. T, c'est pour la lettre thinking, réfléchi. Les T, ce sont typiquement, mais vraiment typiquement, pour le coup, des profils d'ingénieurs, de scientifiques, de... Pareil, les médecins très souvent aussi T, hein, TS en corrélation pour ces professions-là. La personne qui est thinking, c'est une personne qui va penser de manière rationnelle, de manière carrée, de manière à poser les choses. Ça ne veut pas dire organiser, ça va être la lettre suivante. Mais vraiment quelqu'un qui va chercher à voilà, poser les choses, être carré, chercher la petite bête. Voilà quelqu'un quand vous parlez qui va tout de suite relever le moindre défaut dans votre raisonnement et qui va surtout vous pas pouvoir s'empêcher de vous faire remarquer, c'est très probablement un T. C'est voilà, quelqu'un qui est très factuel. L'important en golf pour nous, c'est que quand vous êtes T, vous allez être focalisateur. Si vous êtes focalisateur, eh bien, il faut que vous preniez des cibles précises. Il faut, quand vous visez un arbre, vous ne visez pas un arbre. Vous devez viser
une branche si vous êtes très loin de l'arbre, et si vous êtes près de l'arbre, vous pouvez même viser quelques feuilles de l'arbre. Pareil, si vous êtes sur le green, il faut que vous visiez limite un point d'herbe précis au bord du trou, ou un point d'un centimètre à peu près. Alors que si vous êtes F, vous êtes défocalisateur. On en a parlé dans la vidéo sur la visualisation il y a quelques temps, mais vous ne l'avez pas tous vu, donc on revient là-dessus vite fait. Défocalisateur, en revanche, quand vous visez un arbre, vous regardez l'arbre dans sa globalité. Vous visez le fairway, vous visez un bout du fairway. Alors après, il y a aussi les cibles en l'air ou au sol. C'est aussi lié au fait d'être terrien ou aérien. Le terrien va prendre une cible au sol, l'aérien une cible en l'air. Ça paraît à peu près logique. Donc, si vous êtes F, c'est pour feeling. Ça, je pense que ça vous parle. C'est vraiment l'opposition entre quelqu'un de très carré, très rationnel et quelqu'un qui fait vraiment au feeling, qui fait comme ça lui sent. Surtout quelqu'un qui va privilégier ses émotions, comment il ressent les choses, à quelqu'un qui va privilégier les chiffres. Donc aussi en termes de corrélation de métier, pour vous donner une idée, les F c'est très probablement des gens qu'on va retrouver dans les milieux sociaux ou dans les métiers humains. Voilà, que ce soit d'aide à la personne. Alors vous allez me dire, médecin, c'est l'aide à la personne, oui, mais c'est quand même particulier d'un point de vue études et sciences. Et aussi dans tout ce qui va être gestionnaire RH, etc. Typiquement, les F ont très forte chance d'arriver sur ce genre de métier. On va arriver à la dernière lettre qui va nous intéresser, J ou P. Le J, c'est pour judging. Donc, c'est quelqu'un qui juge, pas dans le sens négatif qui juge les gens, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être très organisé. Le J, c'est quelqu'un d'organisé. Alors que le P, c'est quelqu'un plutôt, on va définir, de libre. Il n'y a rien, encore une fois, de positif ou de négatif dans tous ces profils. Ce sont juste 16 types de personnes différentes. D'ailleurs, si vous tapez MBTI sur Wikipédia, vous aurez les répartitions, parce qu'il y a certains profils, voilà, qui sont plus fréquents que d'autres. Par exemple, le F et le P vont très souvent ensemble, le T et le J aussi, mais pas forcément. Moi, par exemple, je suis F et J, mais voilà, vous aurez les deux. On fera après des exemples de profils. Le J va avoir besoin de faire des plans. Le J, il fait des plannings. Le J, c'est la personne que vous voulez qui organise votre voyage entre potes en Airbnb. Le P, vous voulez surtout pas qu'il réserve le moindre restaurant. C'est quelqu'un de désorganisé, mais toujours pas dans le sens négatif. C'est quelqu'un qui a besoin de faire au flow, à la manière dont ça se présente au moment où il en parle, au moment où il y est, et qui a besoin d'être dans le vécu présent pour pouvoir faire les choses. Mais voilà, lorsqu'il s'agit de réserver des restos, des hôtels ou quoi, surtout vous ne demandez pas au P de votre équipe, vous demandez au J de votre équipe. En termes de golf, ce qui va nous intéresser, c'est le plan de jeu. En termes de plan de jeu, le plan de jeu d'un J va être pas du tout différent, va pas du tout être pareil que le plan de jeu du P. Le P, son plan de jeu va être réduit à peau de chagrin. Le P, il faut qu'il voit, qu'il visualise, qu'il ressente un peu la tronche des trous et de comment il va vouloir les jouer. Mais surtout, il va très difficilement, pour lui, pouvoir faire un plan de jeu où il rentre à l'avance ses coups. Ça va lui sembler parfaitement impossible de dire « Ouais, bah du coup, sur ce trou-là, je vais jouer bois 5, fer 7 sans avoir vu le trou. » Parce que de toute manière, ça va changer avec le vent, etc. Ça, c'est vrai pour les deux lettres, hein, ce sont des faits. Mais le P, pour lui, ça lui paraît être une hérésie que de faire un plan de parcours précis. En revanche, le P, il ne sera pas forcément contre le fait d'avoir quelques repères sensoriels, quelques repères, donc de voir par exemple des photos des trous, des vues drone des trous. Donc si vous êtes P, faites pas forcément des recos de parcours dans le sens où vous avez vraiment des carnets précis avec des histoires de mètres, etc. Mais plutôt des zones du parcours entourées ou des cibles entourées, en vous disant c'est ça qui m'intéresse. Si vous êtes J, en revanche, comme moi, vous allez adorer faire des carnets de parcours normalement, naturellement, où il y a tout décrit. Donc les distances, entrée de green, fond de green, milieu de green, dessiner les breaks sur les greens, mettre les clubs que vous allez choisir, même les clubs s'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent, si ça roule, si ça roule pas. Vous allez pouvoir, si vous êtes J, tout prévoir dans votre carnet de parcours et ça va vous aider. Si vous êtes P, vous pouvez le faire, mais ça va probablement pas vous aider et ça peut même, comment dire, pour vous être une contrainte de vous conformer à votre plan de partie. Alors que pour un J, ça va vous aider et ça va vous enlever de la charge mentale. Ça va vous, tranquilliser, faciliter, rendre
plus libre mentalement d'avoir fait des plans de parcours précis. Donc encore une fois, le plan de jeu, c'est important d'en avoir un, mais si vous êtes P ou si vous êtes J, c'est pas du tout la même chose. Si vous êtes P, c'est probablement entourer des zones sur votre carnet de parcours, grosso modo, ou faire des prévisualisations de trajectoire de comment vous voulez jouer les trous. Si vous êtes J, vous pouvez tout noter, tout mettre des points précis, des distances, etc. Donc si on refait un petit overview rapide, I ou E, ça va vous donner si vous êtes concentration courte ou concentration longue, et ça va vous donner des indications de comment vous devez vous comporter sur le parcours. Si vous jouez contre un E, surtout vous ne lui parlez pas. Si vous jouez contre un I, surtout vous faites que de lui parler en match play. Si vous êtes S ou N, faites attention à votre posture et regardez si vous jouez bien en terrien ou en aérien. Alors encore une fois, on peut avoir des profils biomécaniques qui ont évolué de manière distincte de nos profils psychologiques. Par exemple, avoir un métier qui force à se comporter comme un S, socialement parlant et même dans votre tête, mais avoir un profil biomécanique terrien parce que pour x ou y raison, vous avez besoin d'être très ancré au sol par rapport à votre physique. Donc c'est pas une corrélation parfaite, mais ça peut vous donner un indice. Alors bien sûr, on peut mettre plein d'autres choses derrière ces lettres. Aujourd'hui, on fait juste une petite introduction qui commence à être un peu longue. Et voilà, on s'arrête là. T ou F, focalisateur ou défocalisateur, ça joue sur votre visualisation. Et pareil, corrélez-le avec le fait de savoir si vous êtes terrien ou aérien. Donc vous pouvez très bien être focalisateur au sol ou défocalisateur au sol, focalisateur en l'air ou défocalisateur en l'air. Voilà, tout est possible. Organisé ou désorganisé, pour savoir si vos plans de jeu et vos carnets de parcours sont faits de la bonne manière par rapport à comment vous réfléchissez. Voilà, je pense qu'on a fait pas mal de choses. Moi, pour vous donner une idée, je suis INFJ. Donc voilà, j'ai besoin d'être très concentré, surtout concentration longue, ça m'aide beaucoup, et de rester beaucoup dans ma bulle. Je joue très clairement en aérien, si vous y faites attention, et je prends presque toujours des cibles en l'air, sauf quand on est près du green, où là je prends des cibles au sol, mais là c'est plus rapport avec le jeu de golf et le point de chute. Je suis F, donc je suis défocalisateur, je prends des cibles en l'air peu précises, en général je vise des arbres complets. Et je suis J, donc je fais des plans de parcours très précis. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu cette petite introduction, si vous avez appris des choses. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un commentaire, à lâcher un pouce bleu pour cette série de vidéos. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et tous les parcours que je mentionne, je vais vous les vlogger. Ça sortira en 18 trous complets dans les quelques prochains jours, plutôt semaines à venir. En décembre, ça fait du bien de voir du beau temps. Clairement, on est bien ici, il fait 28 degrés. Je vous dis merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a intéressé. Posez-moi aussi vos questions en commentaire si vous en avez. Donnez-moi vos profils si vous pouvez les faire. Écrivez-les-moi en commentaire et on verra ensemble si vous avez des choses à en dire. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog quotidien et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao !